Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 1er novembre. On démarre aujourd'hui une journée pluvieuse, grise et venteuse. Voilà. Je travaille ce soir. Je suis en train de mettre à jour mes challenges lecture, mes articles sur mon blog. Et là, je suis donc dans le Pumpkin Autumn Challenge, le challenge cocooning automnal. Et le challenge Windows of the Arctic qui commence aujourd'hui. Dans le Pumpkin Autumn Challenge, il me reste 3 livres à lire. Hop. Qui feront partie aussi du challenge cocooning automnal et du Windows of the Arctic. Voilà. Donc j'ai Sœur Sorcière que j'avais commencé, que j'ai stoppé parce que je l'ai mis dans le challenge Windows of the Arctic, donc je vais le continuer. J'avais lu 30 pages, je crois, non? Voilà, c'est 36 pages, donc rien du tout. Je vais lire ça. Ensuite, je dois lire Insoumise et Nevernight. Ça, ce sont mes 3 livres à lire d'urgence. Bon, c'est jusqu'au 30 novembre, mais il faut que je lise maintenant. Comme ça, ce sera fait. Et ensuite, eh bien, bon, je pense que vous aurez vu déjà ma palle. Voilà. Sauf qu'il faut que je termine. Donc ça, c'est pour Pumpkin Autumn Challenge. Il m'en reste 3, donc ça va être validé. Et le challenge cocooning automnal, j'avais dit que je lirais entre 25 et 30 livres. Mais voilà. Autant vous dire que c'est pas ça. J'en ai lu que... je suis à 2, 4, 5. J'en suis à 5. Voilà, voilà, voilà. Bon, le but, c'est quand même de terminer un menu. Donc, je dois lire en plus Amber Farrell, Val d'Avert, Virgin River et je réinventerai la pluie. Donc, je vais les mettre de côté de suite. Donc, et je réinventerai la pluie de Lilium, je l'ai sur la liseuse. Voilà, donc ça, ce sera les livres à lire d'urgence. Enfin, d'urgence, non, mais ça me fait 6 livres. Et ensuite, eh bien, le dernier challenge, le Windows of the Arctic, il termine le 24 décembre. Donc, j'aurai le temps de lire d'autres livres. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est ce que je vais essayer de faire, sachant que j'ai encore quelques commandes côté couture à terminer avant le 12 décembre. Donc, j'ai le temps de les faire. Mais bon, avec le travail à plein temps, plus les enfants, sachant que Maëlie se fait opérer samedi. Non, vendredi, je veux toujours qu'elle se fasse opérer samedi, mais non. Se fait opérer vendredi, je passe toute la journée à l'hôpital. Donc là, par contre, je vais pouvoir lire, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Ça va être un peu chaud, mais bon, c'est pas grave. Rien de bien particulier aujourd'hui, je ne fais rien. Là, je vais aller regarder un film de Noël, bientôt. Il commence à 13h55. Et voilà, ensuite, j'irai faire une petite sieste, douche, repas. Et c'est parti, mon kiki, pour une nuit de folie. En compagnie de Mélanie. Voilà, tout y rime. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous reprendrai si... je vais peut-être lire 20 minutes. Ouais, je vais peut-être lire un petit peu. Là. Non, il faut que je termine mon article. Là. Je m'éparpille. Allez, c'est parti. Article et après, on lit. Bonjour à tous. On est mardi 2, c'est ça? Voilà, novembre, il est 17h. Je suis désolée pour ma tête, hein, mais j'ai pas beaucoup dormi ce matin parce que il a fallu que je me lève à midi et demi pour emmener Nola. Oh, puis je brille alors. Passer son code qu'elle a réussi et du coup ben, je me suis refait une petite sieste après-midi d'une heure et demie mais c'était pas ça. Hein, ça... Je suis bien mais mon visage il dit non. Il dit non, c'est pas grave. Voilà. Oui donc du coup j'ai fait une tresse hier soir, donc là j'ai les cheveux un petit peu dans le cake, voilà. J'ai lu hier soir, j'ai bien avancé parce que j'en suis à la page 324 donc il me reste plus que ça à lire. C'est super intéressant, ça va de plus en plus vite. Il va y avoir des traîtres, une traîtresse parmi l'une des sœurs. Voilà, voilà, voilà. Eh bien oui, hein, entre sœurs, il y en a une qui veut plus de pouvoir que l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Mais c'est très intéressant, j'adore. C'est, voilà, c'est, une fois qu'on est dedans, ben voilà, on a envie de savoir plus. Et on avance bien. Ensuite, le temps qu'Enola passe son code, j'ai été faire un petit tour à Action avec Maëlie. Voilà, voilà, voilà. Nous avons trouvé des petites choses, notamment nous avons acheté ceci pour 9,95€. Voilà, voilà, voilà. C'est pas magnifique ça?
Magnifique! Voilà, voilà, voilà. Pour Noël, on prépare Noël, oui, oui, je vous assure. Bon, j'ai pris une ramette de papier, mais ça, vous vous en fichez, hein, n'est-ce pas? On n'en a plus. Maëlie a pris quelque chose pour son amie pour Noël, donc je vais pas le présenter parce que je ne veux pas qu'elle le voie, n'est-ce pas? Ensuite, qu'avons-nous là? Alors, ça c'est, je crois que c'est le plus cher, donc guirlande stalactique 360, c'est ça, voilà, pour 16,95€. Donc c'est une guirlande qui fait la maison, le tour de la maison. Alors je ne pense pas qu'elle fera le tour de la maison parce que je pense que notre maison est beaucoup trop grande. Mais c'est déjà pas mal. Et l'autre elle est à 9,95€ et c'est un rideau qu'on mettra devant la baie vitrée parce que le nôtre est mort. Voilà. Ah pardon, je me gratte le nez. Ah on s'est trompé, pourquoi on a pris ça? Tant pis. J'ai pris des chemins de table pour 3,29€. Donc j'ai pris des dorés parce que ma nappe sera blanche et pour mettre par dessus. Donc j'en ai pris deux. Vous connaissez l'amour pour le tissu. Mon amour pour le tissu. Donc j'ai pris du tissu. Alors celui-ci c'est 70 x 100, 94 centimes le tissu, donc 70 cm x 100 cm. Donc j'ai pris deux comme ceci, avec ces roses avec des petits triangles, des petites taches. Et deux comme ceci, il est trop beau celui-ci, j'adore. Voilà. Et ensuite, 1,99€, ce sont des carrés de 50-50. J'ai pris différents modèles, deux fois. Parce que suivant ce que je vais faire avec, j'en ai besoin de deux fois. Donc j'ai pris un modèle comme ça qui a, voilà, il est trop beau celui-là, j'adore, avec un petit peu de vert comme ça. J'ai pris du rose, voilà, avec un petit modèle comme ça. Celui-ci aussi j'adore, voilà, il est trop beau, ça fait très automnal, il est trop beau, avec un petit modèle comme ça. Et là c'est un petit peu de vert, donc là de ce côté-là il y a des chiens, voilà, et là j'ai des comme ça. Voilà pour les petits tissus. Et ensuite j'ai pris pour 1,99€, combien j'en ai pris, 4 blocs de papier de Noël parce que j'adore et on fait toujours de choses avec. Donc vous voyez c'est des papiers, des blocs avec différents modèles, j'adore. Voilà, pour le scrapbooking, pour ce que vous voulez. Et maintenant que j'ai la Cricut, ça va être encore plus facile pour travailler dessus. Donc il y avait ce modèle là dans les tons un peu vert marron et là dans les tons un peu rose. Voilà, il y a ce modèle là. Attends, je vais vous montrer quelques feuilles si ça veut bien s'ouvrir. Pardon, je suis désolée, je vous agresse. Voilà, donc là il y a quelques modèles, c'est assez sympa dans les tons rose pâle. Ensuite dans les tons un peu vert brillant, alors il y a du brillant aussi, hein. Voilà. Et nous avons ce modèle là, voilà, avec d'autres. J'adore, 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 de toute façon ces bloc-notes ils sont vraiment trop bien. Et dans les tons un peu rose foncé, voilà, c'est le dernier. Je suis un seul. Bon alors par contre je suis déçue parce que j'aurais préféré des tons rouges et verts qui rappellent vraiment les vraiment couleurs de Noël. Sauf qu'il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Je vais quand même travailler avec. Voilà. Et voilà mes petites courses. Ce sera tout pour le moment. Là je vais faire. Il est 17h10. Je vais terminer en replay un film de Noël. Je vais. Faire un petit article je pense. Oh, pff, il pleut, il pleut, il pleut, c'est horrible. Ça ne s'arrête pas de pleuvoir. Quel temps. Donc voilà, demain rebelote, on se lève tôt parce que Enola a 4 heures de circulation. Et après moi et Maëlie, il faut qu'on aille faire un test Covid parce que Maëlie se fait opérer vendredi. Et en plus du vaccin, il faut quand même un test. Donc, on va faire ça demain après-midi.
Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais voir un petit peu les nouveautés. Il faut que je fasse un article aussi sur mon blog sur les sorties littéraires du mois de novembre que je n'ai pas encore fait. Donc, je vais m'occuper de ça. Et je vous dis sûrement à demain. Comme ça, je vous dirai la fin de mon livre et voir lequel j'ai entamé. Alors, à demain. Bonsoir à tous. On est mercredi 3 et il est 21h35. Je vous reprends ce soir parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre dans la journée. Voilà, je me suis levée à 12h30 comme hier. Décidément, les journées se ressemblent toutes. Enola avait 4 heures de circulation aujourd'hui. Ensuite, avec Maëlie, on a été faire les boutiques. On a été faire aussi notre test Covid qui est négatif à toutes les deux parce que Maëlie se fait opérer vendredi. Donc pour rentrer à l'hôpital, on est obligé d'avoir un test négatif en plus de la vaccination. Et voilà, ensuite je fais quelques achats, je vous montrerai tout à l'heure. Désolée pour les petits boutons, là j'ai vu que ça sort. Hein. Bon, ben je suis dans la mauvaise période du mois, n'est-ce pas? Voilà, pour tout savoir. J'ai terminé hier soir Sœur Sorcière, le tome 2. J'ai adoré la fin, j'ai juste envie de faire... je veux tuer quelqu'un, voilà. Et j'ai de la chance d'avoir acheté le tome 3, j'ai bien fait parce que je vais pouvoir continuer ma lecture. J'ai commencé Promise au tome 2, donc c'est Insoumise d'Ali Condi. C'était aux éditions Gallimard Jeunesse, voilà. J'ai bien avancé, j'en suis à la page 155. Nous allons suivre deux personnages, Kai et Cassia, qui viennent. Alors c'est un monde de dystopie. Dans ce monde-là, les bien-nés, donc il y a toujours des riches, des moins riches, etc., hein, sont reliés dès la naissance avec une Jordan sœur, en fait. C'est l'État, donc c'est la société, ils appellent ça la société, qui décide avec qui vous allez passer votre vie lors de vos 16e anniversaire, je crois, que c'est décidé. C'est comme une genre de puce qu'ils ont à l'intérieur. Non, ils n'ont pas à l'intérieur. Mais ils rentrent des données dans l'ordinateur et on vous octroie un mari. Voilà. Donc Cassia va à la cérémonie. Donc ça c'est tome 1, va à la cérémonie de ses 16 ans. Je ne me rappelle plus comment s'appelle cette cérémonie. Et elle découvre que l'homme qui lui est prédestiné, c'est son meilleur ami d'enfance qui s'appelle. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Xander. C'est pas Xander, voilà, je crois que c'est Xander. Et du coup, elle est assez soulagée parce que c'est un homme qu'elle connaît, sauf qu'elle est tombée amoureuse d'un autre homme qui s'appelle Kai, mais lui, il est surclassé parce que c'est pas un... ses parents n'ont pas d'argent, quoi. Et je ne sais plus... Il y a les aberrations et les anomalies. Donc il y a les humains normaux et ensuite il y a les aberrations et les anomalies. Alors je ne sais, me rappelle plus qu'est-ce qui différencie tous ces humains. Et de ce fait, Cassia ne peut pas se marier avec Kai parce qu'ils ne sont pas compatibles. Voilà. Et en fait, le fait... c'est beaucoup d'en fait, ça. Hein. La société, quand elle décide de placer un homme avec une femme via leur ordinateur, c'est pour des pur sang. En gros, c'est ça. Hein. Voilà, c'est une lignée, quoi. Voilà. Sur ce, elle décide de s'enfuir, n'est-ce pas? Parce qu'il est hors de question qu'elle se marie avec Xander, étant donné qu'elle est amoureuse de Kai. Ses parents la laissent faire, mais ça veut dire qu'elle est reniée et qu'elle est surclassée. Si jamais la société la récupère, eh bien elle ne sera plus normale, elle sera pas une anomalie, mais l'autre. Voilà. Et là, dans le tome 2, on les retrouve chacun, donc on fait un chapitre par personnage. Il s'avère que Kai a été envoyé... Alors, ils font croire au monde entier que... Alors, ils vivent en fait, comme dans toutes les dystopies, ils vivent dans une ville entourée, n'est-ce pas, d'un mur, qu'il ne faut pas sortir. Si jamais il sort de ce mur, il meurt. Voilà, en gros c'est ça. Sauf qu'ils savent pas de quoi, les gens ont peur, donc du coup ils n'y vont pas, ils font confiance à leurs dirigeants. Sauf que les anomalies et
et les aberrations, eux, sont envoyés hors dehors de cette ville, n'est-ce pas ? Dans des villages qui sont vides et ils doivent jouer au fermier. En fait, ils font croire à la population qu'il y a des gens qui vivent dehors, qui sont méchants et qui leur veulent du mal à ceux qui sont dans ces villes enfermées. Et en fait, non, pas du tout. Ces gens-là, ben, c'est les gens qui habitent et qui sont envoyés faisant jouer des fermiers. Les ennemis croient... Alors, ils ont des ennemis. Je ne sais pas qui c'est non plus. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Toutes les nuits, il y a des gens qui arrivent en dirigeable ou en avion et qui tuent ces enfants, parce que ce sont des enfants, il faut le rappeler quand même. Sauf que eux, ils sont envoyés dans ces villages avec rien du tout qu'un fusil armé de balles à blanc. Et en fait, voilà, ils ont rien. Et tous les 6 mois, ceux qui sont vivants, n'est-ce pas, ils les délogent et les mettent dans d'autres villages. Voilà, ainsi de suite. Cassia s'est enfuie donc de sa ville natale et elle recherche Kai. Et elle recherche dans quel village il est, donc elle fait plein de villages comme ça au fur et à mesure. Voilà. Et là, ils sont au moment où ils sont arrivés dans un labyrinthe. Donc c'est assez sympa comme histoire. Ça va assez vite. Voilà, c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je pense que je vais continuer. Ensuite, j'ai fait la bêtise du siècle. Alors voilà, je suis allée à l'espace culturel faire un petit tour avec ma élite, qu'on avait encore le temps. Et ils ont fait un petit stand des romances de Noël. Sachant que les romances de Noël sont sorties depuis le 6 octobre, je n'avais rien chez moi. Enfin, en tout cas, nous, à l'espace culturel, il n'y avait rien du tout de sorti. Ils les ont sortis là cette semaine, parce que la semaine dernière, je suis allée et il n'y avait rien. Donc, ils les ont sortis cette semaine. Donc, forcément, j'ai fait une petite razzia, n'est-ce pas ? Parce que ça fait déjà un mois et demi qu'ils sont sortis. Non, ça va faire un mois. Donc j'aimerais quand même en acheter maintenant, avant de me retrouver à tout acheter à la fin du mois, début décembre, n'est-ce pas? Donc j'ai fait, voilà, petit achat, voilà, de pas moins de 10 livres de romances de Noël, n'est-ce pas? Dont des sorties de cette année, voilà. Donc j'ai pris Cher Père Noël, sors-moi de là, de Anna Fitzbell aux éditions J'ai lu. Donc c'est une toute petite romance, vous voyez, tout petit. Donc là, elle est sortie cette année, celle-ci, et j'avais trop envie de la lire. Je l'ai mise dans un de mes challenges. Donc on suit Fleur, qui est élève vétérinaire et qui doit rentrer pendant les vacances dans sa famille, sauf que les transports sont en grève et elle va être sauvée par Arnaud, qui va être son c'est pas un blablacar, mais qui va... on peut dire que c'est un blablacar parce que c'est une romance française, voilà. Donc il va l'aider, il a un gros 4x4 et c'est lui qui va l'emmener où elle doit aller. Sauf que elle se promène avec son petit Carlin. Comment il s'appelle son petit Carlin? Ils ne disent pas. Donc c'est un petit Carlin et Peter, voilà, il le précise dedans parce qu'apparemment Arnaud, elle déteste les animaux. Petite romance comique. Ensuite, je me suis pris Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, de Phoenix BHR aux éditions Hugo Poche. Joli petit livre, regardez-moi ça. Un joli sapin de Noël dans la neige. Une romance inédite aussi. Celui-ci, il fait partie de mon challenge Windows of the Arctic. Nous allons suivre Axel qui vit en ermite avec son chien loup dans le chalet de son grand-père qu'il rénove. Et il va retrouver, lors d'une promenade en ville, Rome, son amour d'adolescent. J'ai pris Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille d'Eve Borelli aux éditions HarperCollins Poche. Ça aussi, c'est une romance inédite, avec un petit pain d'épices sur la couverture. Donc nous allons suivre Pia Mia, qui après une rupture assez fracassante rentre chez elle. En fait, elle va découvrir que son frère et sa sœur ont loué sa maison à des inconnus. Voilà, très gentil, super gentil. Donc voilà, peut-être une petite romance derrière. Ensuite, j'ai pris Cher Père Noël, je voudrais un mec, de Caro M. Lynn aux éditions HarperCollins Poche. Voilà, parce que je ne l'ai pas
pris l'année dernière. Nous allons suivre Ali qui doit écrire sa lettre au Père Noël parce que c'est sa meilleure amie qui lui a donné l'idée. Et en fait, au lieu de l'envoyer à sa meilleure amie, elle envoie la lettre à son patron. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. À mon avis, c'est chaud patate. Ensuite, j'ai pris rendez-vous sous le guide de plusieurs autrices. Nous avons Anna Fitzbell, Sophie Jomin, Amélie Séasti et Marie Matthews, Liz Sieven, Georgia Caldera et Fanny André. Donc, ce sont toutes des autrices françaises aux éditions J'ai lu. Je l'ai acheté parce que, évidemment, elles sont toutes dedans. Donc, nous allons suivre des petites romances créées par ces autrices-là. Toujours de Caro Emeline, j'ai pris Fucking Eve, Mon Père Noël s'appelle Adam aux éditions Hugo. Là par contre je l'ai en grand format parce qu'il sort cette année, donc forcément c'est pas le même prix, c'est pas le même format. Nous allons suivre Claire qui est débordée pour les fêtes de fin d'année entre sa petite fille de 6 ans, son magasin et ses to-do list. On dirait moi ça. Voilà, donc elle est débordée, tout ce qu'elle veut pour Noël, c'est une soirée que pour elle. Et elle va tomber avec un... Et en fait, sa belle-sœur va lui faire rencontrer un garçon qui s'appelle Adam. Voilà. J'ai pris Rendez-moi Noël de Juliette Bonté aux éditions Hugo. Magnifique, lui aussi, j'adore le tartan là. C'est trop beau. Nous allons suivre deux familles écossaises qui se font la guerre parce que c'est normalement la famille Ferguson qui fête Noël, oui, dans le village, tous les ans c'est eux qui préparent et qui organisent Noël. Et là ça va être la famille Burns qui va s'en occuper, qui ont eu l'autorisation de le faire, enfin je sais pas comment ça fonctionne, hein, peut-être un genre de concours, je ne sais pas. Et qui accuse la famille Ferguson d'avoir piqué des lettres dans leur château. Et donc nous allons suivre Robin qui va essayer de rechercher ses lettres et de prouver que ce n'est pas sa famille qui a piqué ses lettres. Voilà. Ensuite j'ai pris Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia aux éditions Hugo New Romance. Donc c'est Hugo Poche. Voilà, trop beau aussi, n'est-ce pas? Oui, j'adore. Nous allons suivre Lila, qui adore Noël, qui a une petite supérette dans une station de ski et qui attend ardemment que un certain monsieur daigne de finir ses courses pour fermer sa boutique et aller retrouver sa famille. Sauf que ce monsieur, c'est un médecin qui s'appelle Mathieu, qui n'a vraiment pas envie d'aller plus vite dans ses courses. Justement, il fait exprès de ralentir, il a horreur de Noël, tout ça pour embêter la petite caissière. Il va y avoir un petit affrontement là. Ensuite, j'ai pris Petit Réveillon entre amis de plusieurs autrices. Donc, c'est la Team Romcom. 25 comédies romantiques avant Noël des éditions Charleston. Donc, c'est un gros pavé par contre là. Voilà. Il coûte 13 euros, mais franchement, il fait 500 pages. Hein. Ah, il fait même plus de 500 pages d'ailleurs. Il fait 636 pages. Donc, voilà, c'est ça, c'est sympa. Il y a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Donc quand j'ai vu Marie Vareille, je me suis dit je le prends, n'est-ce pas? Voilà, donc dedans nous avons 25 histoires de Noël. Découvrez un calendrier de l'Avent littéraire et romantique. Ah, c'est pas bête ça comme idée. Eh bien, je vais... Ah mais oui! Donc, c'est découpé... par, alors attendez, que je dise pas de bêtises, par chapitre. J'ai vu le 13 décembre, ils sont passés où les autres jours? À moins que ce soit pas découpé comme ça, je ne sais pas. Ah, attendez. Alors, voilà. Bon, il y a 25 petites histoires, donc une par jour. Y aura-t-il trop de neige à Noël? Le marché de Noël, la théorie du pingouin, Keep Calm et Love Christmas, Cap, une partie de plaisir, le réveillon était presque parfait, le bris de Noël, tu bluffes Martoni, Christmas Therapy, Christmas Latte, Noël et préjugés, Tony... Nous avons...
comme une princesse Disney, l'hôtel des monts enneigés, le manoir des Winfield, enfin il y a vraiment. Ah oui, après il y a Noël Actuality. Il y a vraiment plein de petites romances, plein de petites histoires. Voilà. Donc ça serait intéressant que faut que j'y pense, que je le note pour commencer le 1er décembre et que j'en lise un par jour. Et la dernière romance que j'ai prise, c'est Noël Surprise dans les Highlands de Sarah Morgan aux éditions Hugo. Alors Sarah Morgan, hein, c'est une évidence, c'est une autrice super pour les romances de Noël ou les romances tout court d'ailleurs. Nous allons suivre Gail qui, pour les fêtes de Noël, a décidé de retourner dans un manoir isolé au cœur des Highlands, là où vivait toute sa famille, histoire de ressouder justement un peu cette famille. Sauf que elle, ça lui. Ces lieux ravivent en elle la mémoire de son premier amour. Voilà. Ensuite, nous avons Ella, donc une de ses filles, qui ne comprend pas que sa mère, cette de businesswoman redoutable, a tout d'un coup eu l'envie de fêter Noël là-bas. Et donc, Ella s'inquiète pour sa maman, donc elle est maman elle aussi, et parce qu'elle a toujours appelé Gail sans cœur. Et là, elle se dit, est-ce qu'elle a vraiment changé ou est-ce que c'est juste un piège? La dernière s'appelle Samantha. Alors elle trouve que sa mère a eu une bonne idée dans son manoir parce qu'elle travaille dans une agence de voyage et elle aimerait bien lier ce manoir à ses sorties qu'elle propose dans son agence professionnelle, sauf qu'elle va se retrouver face à Brody, le propriétaire du chalet, qui lui n'est pas très d'accord et c'est un Écossais, donc à mon avis, avoir un petit caractère. Voilà toutes ces petites romances de Noël, j'ai hâte de commencer. En fait, j'ai envie de les lire maintenant. Voilà, c'est pas bien, hein? Mais c'est la période qui veut ça. Les films de Noël sont sortis et j'en ai déjà commencé à regarder et là j'ai très envie de lire des romances de Noël. Mais non, on résiste, on est forte, on se replonge dans Promise et on est sage. Voilà, n'est-ce pas? Allez, sur ce, je vous laisse, je retourne à ma lecture, il est 22h. Oui, je vais lire un petit peu et après j'irai me coucher. Donc je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 5 novembre, il est 11h15. Je vous reprends vite fait avant d'aller à l'hôpital parce que j'ai reçu un petit colis, une petite commande de bijoux, de bougies, pardon. Donc c'est Mélou Création sur Instagram. Bon, je pense que tout le monde la connaît à peu près. Alors, j'espère que tout va bien. Donc dedans, j'ai eu une petite sucette. Voilà, est-ce que tu veux bien faire un petit peu de focus? Pas de focus. Une petite sucette en forme de cœur. Ensuite, j'ai une cire. Alors, j'ai eu une petite bougie. Parfum cappuccino. Je pense que c'est une bougie. Oh non, c'est peut-être un vrai bonbon. Ah, j'en sais rien. Non, je pense pas. Cire de soja 100% végétal, parfum de grâce, ça sent super bon, Lyon. Ça sent vraiment la confiserie, on a envie de la manger. Bon, non, je la mangerai pas. Alors, j'ai des petites boîtes. Voilà, très bien. On va se munir d'un petit ciseau. Petit ciseau. Parce que là, c'est bien emballé. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui crée tout. Je sais pas. C'est bien scotché. Ah. Je ne casse rien. J'ai l'air fatiguée sur la vidéo là. C'est juste l'air. N'arrive pas à l'ouvrir. Ça y est, ça s'ouvre tout doucement, mais sûrement. Voilà, donc là j'ai un petit bougeoir en forme de chaudron. Est-ce que ça va bien vouloir se prendre? À cause de la lumière, moi pas trop. Donc là on met la petite bougie en forme rond, là les petites bougies, et là-dedans les petites bougies qui font. C'est petit, hein, il est petit le modèle. Hein. Voyez, ma main, vous voyez, tout petit modèle, mais très mignon. Ensuite,
Bon, là, je pense pas que ce soit elle hein, qui l'ait fait, parce que là, c'est marqué en allemand. Donc, le bazar. C'est le bazar. Avec pas l'anglais, c'est le bazar. Je sens que je vais en mettre partout. Vous le sentez vous aussi? Ah, moi aussi, je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. On va s'écarter un peu. On va faire tomber le plastique. Enfin, le polystyrène surtout. Bah, disons, heureusement qu'il est emballé, hein, parce qu'il est tout déchiqueté, l'emballage. Oh, alors, attendez. Oh là, mon Dieu, il y en a partout par terre. Il y en a partout par terre. Donc, dedans, j'ai une toute petite bougie en forme de pain d'épices. Bonhomme en pain d'épices. Voilà. Et donc voilà, donc lui par contre il est beaucoup plus gros. Hein. Voilà. Vous voyez la différence? Voilà. Le petit bougeoir. N'est-ce pas? Il m'a l'air très sympathique. Il est très joli en tout cas. Bon là j'enlèverai les. J'enlèverai les petits polystyrènes après. Il est très joli. Voilà. Et le dernier que j'ai pris, c'est une maison. Ah pardon, je vais peut-être vous montrer le carton. Voilà, c'est la maison. Alors, c'est peut-être lui qui faisait du bruit. J'espère qu'il n'a pas été allumé non plus. Voilà, non. Je crois qu'il va être emballé à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà la maison. Elle est très belle. Elle existe aussi en blanche. Le toit s'ouvre afin de mettre votre petite bougie. Mais après, vous pouvez le remettre dessus parce qu'il y a des trous d'aération. Pour la senteur, et donc derrière vous mettez votre petite bougie pour chauffe-plat. Elles sont trop belles. Voilà, je suis trop contente. Parfait, je vais ranger mon petit bazar. Je vais aller prendre une douche. Il est 11h20. Voilà, on part à 13h pour l'hôpital pour l'opération de Maëlie. J'espère avoir le temps de rentrer ce soir pour manger. Enfin, de toute façon, je vais rentrer, hein, prendre la voiture déjà. Et puis voilà. Donc je vais peut-être lire là-bas à l'hôpital parce que je serai toute seule dans ma chambre. Et je vous reprendrai sûrement demain, n'est-ce pas? Allez, je vous dis à plus tard, à demain. Bonjour à tous, on est samedi 6 novembre, il est 18h. Je reviens de la moto d'Enola. Vous allez me dire, je fais que ça en ce moment. Eh bien oui, 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 oui. Mais bon, c'est pas grave. J'ai terminé hier soir, Promise, donc le tome 2, Insoumise. J'ai adoré. Franchement, l'univers, il est vraiment trop bien. Nous continuons donc l'histoire de Cassia et de Kai. Donc franchement, je vous recommande cette saga. Il est vraiment trop bien. J'ai le troisième dans ma palle, je sais pas où. Je sais pas où. Bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Je l'ai, je vais pouvoir le lire. Voilà, parce que la fin dessine, ils se sont séparés, voilà, et il y a vraiment une petite guerre. Voilà, ça me fait un peu penser à Labyrinthe ou Divergente aussi, voilà, donc bon. C'est trop bien. Ensuite, j'ai lu Les jumelles secrètes du loup de Tess Ryder. C'est une romance paranormale, je l'ai sur ma liseuse, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Voilà. Nous allons suivre Lana, c'est Lana, oui, Lana Flores, qui est maman célibataire de jumelles. En fait, elle a fait une fécondation in vitro pour... Elle était censée faire des enfants pour sa demi-sœur. Sauf qu'ils sont trompés lors de l'implantation, ils ont implanté le sperme de quelqu'un d'autre, d'un donneur anonyme. Dans ses ovules à elle. Voilà, normalement elle devait donner ses ovules, le sperme de son beau-frère, et voilà, et c'était pas ça. Voilà, il y a eu une petite couille dans le pâté, et c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Du coup, elle se retrouve avec des jumelles, sa demi-sœur est tombée enceinte en même temps, Lana a préféré garder les petites. Voilà, sauf qu'elle va découvrir que ces petites ne sont pas tout à fait humaines. Voilà. Elle découvre qu'elle a un cancer du sein, comme sa maman. Et elle va rencontrer un médecin qui est très réputé. C'est un lican. Alors dans ce livre-là, les licans sont connus de tout le monde. Il n'y a pas de... Voilà, personne n'a peur, personne... Voilà, tout le monde les connaît. C'est un lican et en fait, il a un nouveau procédé. Il insère des tissus
de lycan là où la cellule cancéreuse était, si vous voulez, et ça mange les autres cellules et ça évite que ça revienne. Voilà, en gros c'est ça, voilà. Sauf qu'elle se rend compte que c'était son coup de hier soir. Elle est allée à une petite soirée avec sa demi-sœur et en fait, bah, sa demi-sœur lui a dit « Écoute, maintenant il faudrait que tu profites de la vie parce que tu sais pas ce qu'il va arriver bientôt. » Et lâche-toi, et bien c'est lâché. Voilà, sauf qu'elle se retrouve nez à nez avec son petit crush de la nuit, n'est-ce pas? Voilà, voilà, c'était une petite romance assez sympatouillette. Ça se dit tout ça, je ne sais pas, c'est pas grave, on s'en fiche. C'était cool. Ensuite, j'ai commencé Amber Farrell, le tome 0, donc c'est l'origine de Mark Henwick aux éditions Milady. Voilà, il est tout petit, tout mignon, j'ai déjà lu 36 pages. Il est tout petit, il en fait 236. C'est le tome 0, donc ça nous insère directement dans la série. Amber Farrell est policière, elle a fait l'armée. Elle a été... c'est pas éduquée, mais elle a été dans un endroit avec l'armée, qui l'ont pas transformée, mais qui l'ont... Elle a suivi, pas des genres de commandos, mais ce genre de choses. Deux secondes. C'est mon nez qui me gratte. Quelqu'un va m'embrasser. Elle a suivi une genre de formation commando afin de tuer des vampires. Elle, c'est son... Voilà, elle faisait partie d'un truc secret de l'armée et c'était son but, en fait. Sauf qu'il y a eu un petit incident qui a fait qu'elle a été... alors, on n'en sait pas encore, mais on le soupçonne parce que c'est... Je crois que c'est dit dans la quatrième de couverture et puis là, elle en parle un peu. Qui a fait qu'elle a été exclue de son groupe de l'armée. Elle a été remise à la vie civile en tant que policière afin... d'éradiquer les vampires, en gros, voilà, si jamais elle voit des meurtres suspects, elle doit en référer à son colonel de l'armée, et qui, voilà, qui prendront les choses en main, voilà, en gros, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Ça passe, une petite casse-cou, hein. Elle joue la Fast and Furious avec sa voiture de police, hein. Évidemment, les policiers ne l'aiment pas trop, parce que c'est une bleue, surtout qu'elle vient de l'armée, donc ça fait des points en moins, déjà. Et c'est une fille, c'est encore plus compliqué. Voilà, voilà, voilà. Mais c'était sympa. Enfin, c'est sympa. Pour le moment, c'est une petite lecture assez sympa. Voilà, ce sera tout. Allez, je vous laisse. Je vais aller prendre ma douche, faire à manger et aller travailler. Et je pense que je vais le finir ce soir. Quand même. Hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas lequel je vais commencer. Parce que j'ai commencé Nevernight. Oui, je l'ai commencé. J'ai pas très bien compris. Je crois que j'étais fatiguée quand j'ai commencé à le lire. J'ai lu quoi? Deux chapitres, même pas. Mais je vais le continuer, sauf que... Sauf que c'est un gros bébé de 760 pages, donc voilà, j'avais envie de petites lectures assez rapides pour écouler, mais il faut que, de toute façon je vais le finir, il faut que je lise pour le mois de novembre, donc voilà, je crois que j'ai terminé mes lectures à lire pour le mois de novembre, parce que c'était Insoumise et Nevernight, enfin terminé non, je dois lire Nevernight, mais voilà. Allez, ce sera tout, trêve de blabla, je vous laisse, je vous dis à demain pour la fin du vlog. Bonsoir à tous, on est dimanche 7, il est 18h23. Je vous reprends parce que j'ai terminé du coup cette nuit Amber Farrell, le tome 0, origine. Nous allons découvrir le passé d'Amber Farrell, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, bah, du coup ça enchaîne sur la petite saga. C'était assez sympa. Je viens de voir que... sur la chaîne de l'Enluminé, elle a sorti le Cold Winter Challenge, n'est-ce pas? Donc je vais regarder ça, le préparer et ben, préparer ma palle, n'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais aller manger et travailler et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.